Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de BioShock Remastered. Proposition qui nous a été faite par Mademoiselle Amelia. Et que franchement, je ne regrette pas d'avoir pris parce que... Ben, BioShock, c'est bien. Pour les vétérans en quête de défi. Non, mais je suis pas en quête de défi, moi. Chaque balle compte. Je me souviens qu'en moyen, il est déjà assez hardcore, surtout pour la façon dont je vais le jouer. De toute façon, je suis pas un mec du hardcore, hein. Cherchez pas. Vous voulez du hard, allez chercher quelqu'un qui est habillé tout en cuir. Je suis sûr que vous trouvez ça sur Twitch. Espèce de casual, go difficile. Non. De toute façon, je vais rendre le jeu difficile moi-même. C'est juste que si je le rends difficile, là, je me dirais, j'ai pas envie de le rendre plus difficile. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. On est d'accord que l'audio est dégueulasse et que ça siffle. Oui, l'audio est dégueulasse, ça siffle. Ah là, l'audio a l'air d'être mieux. Non, ça siffle pas pour vous? Ok, bon, bah alors j'ai rien dit. Oui! Oh putain, c'est toujours aussi beau! Ah, c'est limite plus beau. Ah, j'ai oublié les cris qu'il faisait ce mec. Boum. Là, ça prend juste fait. Le phare est beau. Pourquoi j'ai des gouttes sur les yeux? Les mecs, je ne joue pas avec une GoPro. Pourquoi j'ai une goutte sur les yeux? Joli. Ah, les contrôles sont moins dégueulasses que le normal. Oui, parce que BioShock, premier du nom. Si vous essayez d'y jouer récemment, vous rendrez compte que les contrôles sont dégueulasses à la souris. Immonde. Il y a toujours un phare, il y a toujours un homme. Il y a toujours une île. Par contre, je sens qu'on va avoir tellement de copyright claim sur YouTube. Avec toutes les musiques qu'il y a dans ce jeu. Somewhere beyond the sea, somewhere looking for me. Etc, etc. Fire at your fingertips. Incinerate. Let's meet. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses.
J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus inhibés par les petits. Je n'ai pas de méduse. Par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Vous bougez très bizarrement. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. Atlas! Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les Crozons arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce que le bâtisse faire des sols. Et avoir une bazar là-haut est pété. Et qu'il est en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Allez plus fort! Peut-être augmenter le volume des voix parce que je a tendance à chuchoter dans sa barbe. Il parle pas dans sa barbe, il chuchote. Les voix dans le jeu, elles sont parfaites en français. C'est l'un des rares jeux où je vais jamais dire non à le mettre en français. Parce que les voix françaises sont tout aussi bonnes. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez. C'est à nouveau. Ça, c'est un jeu qui serait fun en VR. Prenez cette radio à Home Court, s'il vous plaît. Would you kindly? Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Comme? Et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bâtisphère. Ne vous souvenez pas que j'étais aussi rapide dans le jeu. Ah mais oui, parce que j'étais pas aussi rapide. C'est le champ de vision qui fait ça. Je vais pouvoir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Rien du tout. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je vois rien. Vous allez tellement me détester parce que je joue avec un champ de vision de 130. Parce que j'aime quand les champs de vision sont géants. Vous allez me haïr, les gars. Voilà, easy. Ah oui, merde, c'est vrai que j'ai tendance à appuyer trop souvent sur F dans ce jeu. Du coup, je vais presque jamais avoir des trucs pour me heal. Êtes-vous aussi fort que mon père? Peut-être. Le plasmide électrique. Vous avez pas prévu que les voix soient plus fortes que les voix. Là du coup je peux plus rien y faire. À moins qu'il y ait un moyen d'activer les sous-titres, je pense qu'il doit y avoir un moyen. Tu crois que celui-là a son compte? Tu crois qu'il a encore de la danse en lui? Hein?
ça. Allez, viens, on se tire. Mauviette, t'as qu'une mauviette. Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche, t'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande. D'ailleurs, je suis toujours très déçu du prix que j'ai payé pour les collecteurs du 2. Regarde, monsieur Fee. C'est un ange. Non pas que je l'ai payé extrêmement cher. C'est juste qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de magasins en Suisse qui ont tendance à acheter des collecteurs alors qu'il n'y a pas la clientèle pour les collecteurs. Du coup, très souvent, ils s'en débarrassent à des prix moins chers que le jeu. Donc, j'ai la collector sur PS3. Je l'ai payé 20 balles. Vous tenez le coup, l'ami ? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Alors que dedans, il y a un artbook. Il y a un vinyle avec les chansons du jeu. Donc, du coup, une qualité magnifique pour les musiques. Ça, c'est cool. Pour le 2, hein, attention. Ouais, comme ça, on aura au moins les sous-titres du jeu. Hein, quoi, il y a un truc, là. Heureusement que j'ai activé comme quoi ça me dit qu'est-ce qu'il y a où, parce que, putain, je l'aurais jamais vu. Oui, pouf. Arrête d'appuyer sur R. Oh, j'avais oublié ça. Le réflexe des putains de FPS. J'appuie toujours sur R. Va falloir que je me retienne. Hein. Va vraiment falloir que je me retienne. Que dalle. Électrosomes, faites une combinaison. Électrocutez-les avant de les assommer. Vous faites une pierre de coups. Non, il n'y a pas une pierre de coups. Ouais, vu les dégâts qu'ils me font, je pourrais peut-être augmenter la difficulté, voyons voir. Difficile, voilà, appliqué. Vous allez appeler la police. Aïe. Dites à Ryan que je suis désolé. Ok. Je ne l'ai pas touché. Allez, merde. C'est quelle touche déjà pour ce heal ? F ? Bingo. Tu m'as donné envie de refinir ce jeu. Le PS4, il est remasterisé. Bah, c'est pour ça qu'ils sont sortis, en fait. Et les remasters sont sortis pour la PS4. Parce que BioShock Infinite est sorti sur PS3 et Xbox One. 360. Mais pas sur Xbox One et PS4. Ou alors les deux sont sortis sur les... Je sais plus. En soi, c'est pas impossible que Infinite soit sorti que sur Xbox One et PS4. Et que du coup, ils ont fait les... La collection seulement pour la PS4. Parce que... Enfin, la PS4 et la Xbox One. Parce que c'est des connards avec la rétrocompatibilité, ils connaissent pas. Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Merci ! Merci ! Non ! Au début, tout se passe bien,
Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en... Oula, j'ai bu trop l'alcool, moi. Moi, ça m'est égal. Il y a un truc, là? Ah non. Ah oui, c'est par là que je dois aller. C'est pas par là que je veux aller. Cette ombre générée par rien. Arrêtez avec ces effets dégueulasses, je vois rien, moi. Depuis bientôt 3 semaines. Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port-Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Hey, où es-tu passé? En fait, même en difficile, le jeu est putain de simple. Bordel de merde. C'est donc pour ça que je jouais qu'à la clé à molette sur Xbox 360. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce bundle existait, mais si vous voulez, le jeu sur Xbox 360, je l'ai eu en bundle. Avec Oblivion. Je ne sais pas pourquoi ce bundle a été inventé sur 360. Ça ne m'a jamais dérangé, en tout cas ça m'a permis de découvrir deux très bons jeux. Encore une nuit de réveillon seul. Désespérément. Rien du tout. Je suis sortie. T'es coincé à Héphaïstos pour ton boulot. Je remarque qu'on voit beaucoup mieux sur mon autre écran que sur mon écran principal. Il faudra vraiment que j'augmente les luminosités. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan et assez folle pour. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dites-vous que ce qui est marrant, c'est qu'en plus, après, je pourrais améliorer les dégâts que je fais à la clé à molette. Du coup, je serai encore plus pété. Oh là, doucement. Mais je vois rien. C'est votre arme, je vous prie. Où est ma télécommande? Bon, j'ai baissé mon arme. Par contre, c'est triste, c'est que le Would You Kindly est remplacé par Je vous prie en français. Mais oui, ça y ressemble en tout cas. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Attends, tu veux dire que sur PC, il y avait déjà un bundle avec Oblivion? Mais pourquoi? Les jeux n'ont même pas été faits par les mêmes développeurs. Pourquoi il était proposé en bundle? Où est ma télécommande, moi? Je vais faire démolir, mec. Là. C'est un protecteur. La petite, elle, récolte la dent. Et lui, il la protège. Légèrement augmenter la luminosité, ce sera parfait.
Ah, là, je vois des trucs, moi. En fait, de toute évidence, je vois la même chose que sur mon retour de stream. D'accord, mais c'est pause, en fait. Tu peux me dire appuyer sur Escape aussi. Il y avait un truc là. Quoi? Tiens le. Hey, I'm Jeff Keighley here in Boston. To go behind the... Non, pas toi, pas Geoff, pas Geoff. Non. Va te faire foutre. Retourne faire ton vendu avec tes Doritos, toi. Il sauvegarde automatiquement le jeu, non? Je crois qu'en soit il y a la touche F9 ou F10. Je sais plus. Impoli, osé, inculte. Ne fuyez pas. On vient à peine de commencer. Ne compliquez pas les choses. La portée d'attaque, bordel. Une poubelle là, non? Oui! Mais y'a rien. Je vais aller moissonner ou pas? Ah, les petites sœurs? Non, je vais les sauver. On va partir pour la bonne fin. Oh là là, j'ai putain de mal! Bon, attendez, c'est mid, hein. Je sais, je suis plein de sang. Venez par ici les gars, il y a une flaque d'eau ici. Oh, ils viennent? Ah bonjour. Viens, viens, venez plus près. Oulala, j'ai mal. Pute! Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, faire le jeu en difficile... tout en le faisant qu'à la clé à molette, ça devrait le faire, hein. Ça devrait putain de le faire! Je m'attendais à ce que ce soit impossible. Oh non, mais que clé à molette, les gars. Prenez vos dégâts, par contre. Merci. Non. Ce gredin. Oh, le gredin. Oui, bah, je vais y aller, 2 secondes. Tu vois pas que j'ai une pétasse au cul? Ah bah non, tu vois pas. Ah, j'ai... Peut-être que j'arrête de faire le malin, moi. Non, mais j'ai réussi sur Xbox 360 en difficile. Je sais que j'étais en difficile. Je devrais bien réussir sur PC. Non, c'est pas vrai, vous êtes coincé. Je vais essayer d'ouvrir la sortie d'ici. Thank you.
association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tazdania, comme vous préférez. Je suis pas un Ruskov. Hein. C'est une scène qui en a fait flipper plus d'un, alors qu'en fait, ils ne peuvent jamais casser la porte. Ils peuvent pas rentrer, en fait. Pavillon médical. Est-ce que c'est déjà là qu'il y a l'illusion d'optique ? Je crois que oui, c'est là. Ce jeu avait une illusion d'optique, slash un filtre très spécial suivant comment vous le regardiez. C'était très sympa. Ah, je vais garder mon argent pour l'instant. Oh, le piratage, il est tellement simple. A savoir que je n'en chiais que sur console, hein, parce que les contrôles sur console sont dégueulasses. Faut pas pirater celui-là, non. Alors oui, chose à savoir, je ne fais que avec la clé à molette, mais le piratage, je m'en prive pas. Hein. Pareil pour les plasmides. Aïe. Ah, le con. Vraiment changer les choses. Je ne crois pas. Là, nous donne les moyens de... Si vous voulez utiliser le sas d'urgence, il vous faut la clé du docteur Steinman. C'est lui le parrain. Non. Ne vous attendez pas à ce que vous la remettez dans le candidat. C'est pas son genre. Et pour être honnête, il m'arrive de me demander s'il lui reste une âme. Vous avez alerté la meute entière. Les voilà qui arrivent. C'était pas voulu, je te jure. Ne me tire pas dessus, sale con. Franchement, je me souvenais pas que le jeu était aussi facile, mais moins dur. Hein. Au! T'es con, va! Il y a de l'action, et moi je dis non, fuck it. Oh, je crache sur le jeu, je le respecte pas. Il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Pour aller danser. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Ah oui, puis t'as rendu incroyablement moche. Oh, du Bioshock. Et oui, le tapis du Bioshock. Bioshock Remastered, attention. Ouvrez bien l'œil
Alors, c'est là qu'il y a une illusion d'optique, ça fait erreur. Tu vois comment on regarde. Genre... De nos attends, quoi, ils l'ont celle de nos canons esthétiques. Attends, il y est plus. Voyez-vous, jadis, mais... j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain qui se cachait derrière le monstre de foire. Non. Mais c'était avant. Ils sont débarrassés des illusions d'optique. Suivant avec l'angle que tu regardais ça, il y avait un dessin différent. Oh, c'est dégueulasse. Brut, riche d'une infinité de possibles. Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile. Je vais tellement génial sur quasi tous les points. Ah mais oui, mais tellement. Yon Remaster, franchement, GG, il est bien. Oh. Un petit itzkishi et c'était parfait là. Allez, du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. Et à la prochaine. Bye bye.